Hey yo tout le monde, c'est Docteur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je mettais ma F5 juste pour le LOLS. Donc je viens de faire ma dernière pêche du serveur, donc vous voyez j'ai déjà préparé des poissons à cuire avant de la faire. Donc en fait il me restait deux cannes à pêche qui étaient très usées. Une dans l'orange, une dans le rouge. Des cannes à pêche à... Non c'est à queue... À queue tu vois, ma canne connerie comme ça, enfin, la canne à pêche à 42 émeraudes. Celle qui était un peu cheatée, donc là bon, honnêtement c'est ma dernière pêche parce qu'il est 17... 16h30 pardon, 16h30. Et le serveur ferme à 21h, donc enfin ferme, le classement final se fait à 21h. Honnêtement j'ai un peu la flemme de repêcher parce que j'ai d'autres choses à faire. Enfin notamment j'ai envie de jouer sur Duck là, donc voilà, donc c'était ma dernière pêche, donc on va voir le total des ventes. Parce qu'on a là, on va d'abord aller faire cuire des petits poissons comme ça à la maison. Vidéo postée, ouais génial. Donc on va faire cuire ces petits poissons là à la maison parce que voilà quoi. Donc à l'heure actuelle nous sommes le 3 janvier. Bah oui, c'est forcément le dernier jour, hein, voilà. Il y a un Kikou qui se fait de la pub dans le chat, écoutez. Moi vous allez voir sa chaîne si vous avez envie, moi honnêtement je pense pas que j'irai voir. Enfin bref. Et donc nous sommes le 3 janvier. Voilà. Il y en a qui répond. Nous sommes le 3 janvier, donc donc aujourd'hui c'est la sortie, bah, d'ailleurs je l'ai vu. La sortie de la présentation de map sur Cake Defense. Donc je vous conseille, hein. En même temps je fais un petit pub, voyez. Non, c'est une map plutôt cool. Honnêtement j'aimerais bien la faire, hein, T4 à 3, donc avec deux autres potes. C'est pour être des youtubeurs par exemple. Du style, ouais, je sais pas trop, mais des potes de Duck quoi. La faire à 3 ça pourrait être assez marrant je suppose. Parce que en fait tout seul c'est bien, mais à niveau 5 c'est un peu chaud. Aller jusqu'au niveau 5, oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi, c'est vraiment chaud. Non, je sais pas bien dans ma tête. Donc ouais, aller au niveau 5 en tout seul ça doit être un peu chaud quand même, surtout que j'étais au niveau combien, 5, je sais plus, ouais, j'avais aucun stuff donc c'était la galère. Donc ça compte, ça sera impossible. Et je pense avec d'autres potes, ça pourrait être assez marrant qu'on puisse se mettre. Aller faire une série qui s'appelle Cake Défense, Objectif 50, une connerie comme ça. Ça pourrait être vraiment fun, je pense. Surtout que nul comme je suis, je l'ai plein. Faudra qu'on voie ça, un de ces 4, je suis pas un serveur machin. Un bazar quoi, un bazar. Bon, du coup, on va faire cuire des petits poissons. Donc maintenant, je connais c'était par cœur. Il serait temps quand même le dernier jour. Hein. Donc j'avais déjà fait du charcoal, il m'en restait. Hop, on dirait que c'est bon. Alors on va étaler ça, que ça fasse des paquets de 8 ou moins. Pas mettre le moins possible. Dafek. Ok, bon j'ai pas compris. Bon alors. Hop, on va faire des poissons de paquet de 4. Attends, on va étaler ça comme ça parce que là ça va embêter. Oh merde, je suis planté. Mince, mince, mince. Paf, paf, forcément une galère ça. Non, on va mettre qu'un, dis donc. Sans pas, ça pue sûrement le serveur, le charcoal. Finalement, du coup, on va parler un peu de la tête, ce que j'en ai pensé. L'event en soi est assez cool, enfin le principe d'une cité c'est assez cool. Le problème sur cette cité, ouais, c'est vraiment le staff quoi. Enfin honnêtement on les voit quasiment jamais, et puis ils sont jamais dispo, enfin ils ont toujours quelque chose à faire. Et le pire comme c'est qu'ils arrivent à quand même s'engueuler avec les joueurs. Et oula non, ça va aller, c'est chiant. Mais pas doucement, vous voyez, c'est vraiment ils s'insultent avec les joueurs. Et je trouvais ça vraiment pas top quoi, enfin. Ça fait chelou de voir un staff s'insulter avec des joueurs. Bon après chacun fait comme il veut, mais bon. Honnêtement c'est vraiment le côté qui m'a déplu ça, c'est. Le fait qu'en fait là il y a une très mauvaise ambiance. Enfin, en même temps il y a beaucoup de kikou sur le serveur, hein. Je vais pas me le cacher, je trouve c'est des kikou parce que bon. Quand on voit pourquoi ils s'engueulent, franchement ça fait un peu pitié mais bon. Hop. Ouais, quand on voit pourquoi ils s'engueulent, ça fait vraiment pitié je trouve, donc bon bah. Voilà quoi, je vais pas m'étaler plus sur le sujet. C'est une bonne cité en soi, enfin en soi le principe comme d'hab c'est un bon truc mais. Le problème, comme je dis, c'est le staff. Déjà qu'il était peu présent, discuter avec eux, c'était un peu à galère. Enfin, honnêtement, je n'ai même pas ajouté sur Skype parce que je m'en fous un peu. Je pense honnêtement que peut-être le staff était peut-être pas assez mature pour gérer la cité. Je dis pas qu'ils ont mal fait et tout. Hein. C'était franchement, c'était cool. C'est génial. Franchement, c'était cool, mais il y a quand même un minimum de, je pense, de maturité à avoir une connerie comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ici, changer de l'œuf? Parce que je crois qu'on peut pas le vendre à cité, c'est dommage. Bon, bref,
Ouais, donc je pense la prochaine fois, je sais pas si j'en ferai une. C'est possible que j'en fasse une, mais pas seul, je pense déjà. Je pense passer un peu avec les membres de Duck, hein. Ça pourrait être assez marrant, je pense. Ça nous changera un peu de l'UHC, hein. Oui, du coup, là on va vendre nos dernières émeraudes, donc je sais pas trop quoi dire pour cet épisode. En même temps, c'est un peu chaud de commenter la cité parce que c'est toujours la même chose que j'ai fait pêcher, 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 pêcher. Donc voilà, c'était pas. C'était peut-être pas tip top pour vous regarder, c'est pour ça que je fais des épisodes plutôt courts. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils sont plutôt courts. Après, c'est quand même une question de point de vue, mais je pense que je vois bien, enfin, je vois plutôt bien qu'ils sont courts quand même. Donc, on va peut-être PVP une dernière fois, on va peut-être essayer de PVP. Ça promet le massacre. Je ferai bien mon stuff avant, enfin, je mettrai du fer, du pétrole, etc. On va essayer des PVP après, ça va être assez marrant, je suppose. Oh merde, bon alors. Alors, on va échanger une dernière fois nos ressources. Oh, ça m'attriste pas du tout de finir cité parce que je suis plutôt content parce qu'en plus on est plutôt bien classé. Après, on sait jamais des fois que quelqu'un décide de faire une super remontée dans le classement. Mais honnêtement, le podium, on est dedans. Enfin, honnêtement, je pense qu'on va y rester. On va chercher ce poisson là, vous voyez, j'ai tout fait cuire. C'était à galère, j'ai dû aller chercher de voir du. Je sais plus comment ça s'appelle. Du. Merde, du bois. Hop. Et là. Popopo. Et ok, bon bah voilà, nos dernières émeraudes gagnées. Alors, allons déposer ça à la banque. Actuellement, nous avons. Fail. Nous avons quand même 2485 émeraudes. Oui, donc ça c'est pour le dernier jour. Donc vous voyez, 10h, ce qui paraît, à mon avis, il me dit que je vais pas le rattraper, qu'il lui va me doubler, que je serai un rattrapage pour moi. Honnêtement, je sais pas, hein. Je suis à 2400, bon Flipper c'est sûr je le rattraperai pas vu que je compte arrêter la cité après là juste après cet épisode. Mais bon ça va être plutôt cool je pense. Enfin, au pire des cas je suis deuxième, c'est peut-être pas très dérangeant. Hein. Donc nous avons 2800. Oh oui quand même. 2810 émeraudes, ça me paraît plutôt cool. Donc on va chercher tout ce qu'il nous faut pour enchanter là-haut. Je sais où sont en table d'enchant. Hein. Ah c'est marrant de connaître la cité par cœur, je me rappelle la première journée j'ai fait au moins 4 fois le tour avant de trouver l'escalier, enfin la fontaine déjà retrouvée mais je voyais pas l'escalier dans le coin. Et du coup ouais, j'étais un peu dégoûté de perdre du temps. Bon, au final je suis quand même content parce que regarde, je suis arrivé avec 3 jours de retard. Je pense que j'aurais découvert la pêche plus tôt et je serais arrivé le premier jour. Je pense que ça aurait été un peu la guerre avec Flipper, enfin. Je pense que je serais vraiment pas loin derrière Flipper, ça aurait été plutôt marrant. Sympa la base des Spartans. Ouais donc je disais, ça va plutôt être, enfin j'aurais bien aimé. Au final bah c'est pas été possible parce que voilà j'étais pas là donc c'est un peu attristé hein, je m'en fous un peu mais. Mais voilà donc il nous faut des livres. On a quoi comme épée? Oh merde putain j'ai même pas sharpness sur mon épée les mecs. Oh là. Cherchons une épée qui pourrait nous servir à combattre. Pas dit je prenne tout. Hein. Ça a quand même des bons livres les mecs. Hein. Ok, notre stuff. Il est tout dépaysé, tout pété, merde. Alors, on va mettre tout ça en enchantement. Et après, je pense qu'on va faire notre PVP final hein, pour clôturer la cité. Je vais découvrir après, sans dire que j'ai rage quitte. Bon, c'est pas grave. Quoique ça pourrait tuer quelqu'un, je serais assez mort de rire quand même. Juste histoire de choper un stuff. Ça me ferait. Parce que j'étais personne, honnêtement, j'étais vraiment personne dans la cité. Donc, d'où coller. Bon. Casse-toi, putain. Il y a bien d'ambiance, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment moisi. Ça fait un peu pitié, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Pour ce dernier épisode, hein. Alors la forge est par là-bas, je m'en souviens. Attends, on va peut-être renommer notre épée. Hop. Ah oui, c'est ce que je vais mettre comme nom d'épée. On va se faire de la pub, vous allez voir. Vous allez... On va se faire une petite pub, d'ailleurs je suis assez content sur la chaîne de dépasser les 150 abos. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement je suis content. The fuck? What?
truc de fou. Alors, va mettre sur le pantalon protection 4. Truc complètement yolo quoi, les bottes on va mettre. Protection 3, il y a que seulement. On va mettre protection 3. Hein. Merde. Je vais quoi? Pourquoi tout s'appelle T? Ça, c'est le fail de l'infini, les mecs. Alors, et dernier, on va mettre protection 3 aussi. Bon, bah, tout mon stuff s'appelle T. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai fichu, les mecs? Non, mais sérieux. Tout mon stuff s'appelle T. Non, bah, pas de casque. Du coup, ça dépend de la renommée. Hein. C'est bien ça. Non, que dalle. Bon bah cool, donc on va échanger une dernière fois, on va poser une dernière fois notre bazar là-haut. Et on va aller pvp notre ultime pvp. J'ai bien notre ultime. Donc pour le score final, tout sera dans la description, normalement hein, si j'arrive à être au courant de combien j'ai fait. Honnêtement je me fais pas trop d'idées, je pense qu'on va rester sur ce numéro là, deuxième. Parce que bah comment dire, j'ai même pas d'admin sur Skype, je m'en fous. Enfin je m'en fous, non, enfin, c'est pas mes amis donc ça me dérange pas de pas les avoir. Hop. Donc voilà, hein. Donc on va faire notre petit dernier PVP. J'ai toujours dans la tête une chanson de Dynamite, donc j'en parle tout le temps mais c'est pas grave. Je l'écoute juste avant de jouer, c'est pour ça. Je me rappelle plus du tout c'est quoi les paroles mais... En fait j'écoute ça en air secondaire, je sais pas comment dire. Ouais c'est cool, en tout cas je discute, vous êtes sûrement endormi devant votre PC les amis. Bon c'est pas grave, on va aller. Hop hop hop. C'est très intéressant cet épisode. Je vous plains. Franchement je vous donnerai une médaille pour l'avoir suivi. Là je me rends compte que je suis vraiment une voix de mec en dormant quoi. Truc de fou. Oui. Du coup je vais pas parler hein. Non c'est vrai. Ouh. Peut-être bien que je mette une petite musique en fond parce que franchement, lui la voix, enfin des petites musiques habituelles aussi, les 5-6 musiques que j'ai d'habitude. Hein. Les musiques de Acta Music, donc c'est une chaîne qui a des musiques libres de droit en fait, donc voilà. Hein. Donc il y aura ça en fond sur cet épisode parce que c'était vraiment popopo. Allez, c'est trop pour le fight final. Par contre, j'ai même pas pris de pouf, je suis pas de pomme d'orge. En même temps des pommes d'or j'avais pas trouvé des masses. Des fight of final. Je sais tuer quelqu'un. Oh les gars je la sens mal. Je la sens mal. En organisation. Ah oui alors les kikous qu'ils ont fait. Ils ont ramassé de l'endstone. Donc ça fait un peu pitié. Bon c'est pas grave. Ok bon alors. Il y a personne. C'est un peu what the fuck ça y est personne. Ah merde. Ils ont réussi à casser ici. Qu'est-ce qu'ils ont fichu, oh là là. Oh oui ça c'est vraiment le problème de ce serveur, c'est les kikous. Les kikous partout, des kikous, des kikous, des kikous. Mais du coup il y a personne pour notre fight final. Non, j'ai pas l'habitude d'être des armées de kikous qui attendent là avec leur stuff en fer. Et là il y a personne. Oh merde. Ça c'est la loose les mecs. Ça c'est la loose. Bon bah tiens y'a un château là-bas. On va se faire défoncer. Ouais bah je sais pas, écoute on va rentrer dans la safe, j'ai pas envie de perdre mon stuff quand même pendant que je discute. Donc bah je remercie tous ceux qui ont regardé cette série. Ceux qui l'ont organisé aussi quand même, hein, c'était quand même assez marrant. Etc. Donc sur ce je vous dis à plus. Et à la prochaine vidéo. Allez tchuss.